Allez Antoine, t'es trop loin là Antoine. Vas-y, allez-y, passe au-dessus. Allez-y. Merci. Encore toi. J'avais dit qu'Antoine a gâté le champion. Là, c'est tout à Paris. Vous pouvez me chercher, il y a un peu. Oui, t'as le grimpeur. Des DS, tu l'as pris. Allez, 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 les jeunes, allez, 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 Lucas, allez, Lucas, allez, 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 Antoine, allez, mon grand, allez, allez, Antoine. Allez Lucas, ça part là. Allez Antoine, ça part mon grand, allez. Allez, c'est maintenant. Allez mon grand, allez accroche-toi. Allez, ça part là. Allez, 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 jusqu'au bout, allez. Allez, c'est bien. Top sur le restant du peloton. Thank you.
direction de Loël Junior, le voilà. Et on va pouvoir l'applaudir très fort, le coureur du vélo club de Rouen, le coureur qui s'approche maintenant, c'est tout au Valogne, du but de sa suivante, on peut l'applaudir. Voilà, excellent vainqueur, Thibaut Valogne, double remportant la deuxième étape, remportant également le classement général final de Loël Junior derrière l'arrivée avec la deuxième place pour Baptiste Soluche de l'US Métropolitain, la troisième place pour Benjamin Lallée de l'Olympique Marseille, la quatrième place, c'est pour le société. Ouais, tiens, c'est bien. Une quarantaine d'hommes viennent de franchir cette ligne d'arrivée. On rappelle qu'ils étaient 86 au départ de cette deuxième étape avec l'arrivée d'un autre petit groupe dans lequel on a pu repérer de nombreux coureurs du Vélo Club de Rouen qui vont apprendre dans les toutes prochaines secondes la victoire.